Fatigue, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous liker et de vous abonner en bas de la chaîne et bombarder la cloche de notification si vous voulez de nouvelles vidéos. À 2000 pouces bleus, je vais faire une nouvelle vidéo de. Je vais vous présenter tous mes instruments, mes choses pour faire du basket. Et maintenant, je vais vous présenter les choses. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker en bas de la chaîne. Suivez-moi sur mon compte Insta. Il s'appelle Wassim Remissa, Wassim C3. N'hésitez pas surtout pas à aller. On va commencer la vidéo avec les tout merveilleux basket NBA. Pour moi, j'ai oublié de vous dire, je suis sponsorisé par Adidas. Merci à elle parce qu'elle m'a offert ces belles baskets. Je vous dis, les gars, ces baskets m'ont coûté 250 euros, les gars. 250 euros ces baskets, mais ils sont. On a des petits trous pour aérer. On a des lacets, on a tout. Mais c'est beau pour moi. Regardez la semelle, elle est un petit peu. Je sais qu'ils sont un petit peu. Sont un petit peu vieux. Mais ça veut dire il y a 2 ans que je me suis offert ces baskets. Et voilà. Et on va passer aux prochaines baskets. Ce sont les Pumas. Mais le Puma, je les aime, hein. Ceux-là, ils te donnent une bonne qualité pour sauter. Ils m'ont coûté 100 euros. Ils sont très bons, ils te donnent une qualité. C'est un jumper, comme on dit. Tu appuies, tu sautes derrière. Mais ça te donne une bonne qualité pour sauter. Je les aime beaucoup, ces baskets. On passe aux prochaines baskets. Le prochain basket, je vais vous présenter. Voici ça. Ça aussi, je les aime. Je fais du sport avec. Je les aime beaucoup. Ils sont nécessaires. Mais je les porte pas beaucoup parce que j'aime les deux baskets que je vais présenter. Chaque jour, comment je porte. Ceux-là, ils sont bien. Je vous les conseille. Ils coûtent 60 euros, je crois. Mais ils sont bien. Je vous les conseille. C'est des. Je sais pas quoi. Mais c'est quelque chose de basket. Ils sont beaux. Allez, on passe maintenant au t-shirt NBA. On va passer maintenant. L'un des plus beaux t-shirts NBA au monde, le maillot des Lakers. Lakers Los Angeles, numéro 24, le légendaire numéro 24 de Kobe Bryant. On est à lui. Et il nous a laissé beaucoup de choses. Kobe Bryant, j'aime beaucoup ce maillot, il est très très beau. Numéro 24, Lakers Los Angeles, le petit NBA ici. Et on passe au prochain maillot. Pour le prochain maillot, j'ai décidé de vous montrer mon maillot Miami Heat de Wade. Le légendaire numéro 3, Wade, Dwayne Wade. Je l'aime beaucoup ce maillot, c'est l'un de mes maillots préférés dans cette série que je vais vous montrer. C'est l'un de mes maillots préférés, les gars. C'est l'un de mes maillots préférés, regardez. Quelle belle couleur bleu turc avec Miami en blanc. Numéro 3 en rose, je sais pas si vous voyez, mais il est très très beau, le voilà. Derrière, c'est écrit Wade, numéro 3, le billet. C'est un Nike qui va coûter 600 euros. Donc 600 euros, les gars, 600 euros. On passe au prochain. Désolé, les gars, pour une petite coupure. Mais n'hésitez pas à vous abonner, de vous liker. J'en profite ce moment pour vous dire abonnez-vous et likez si vous voulez plus de vidéos. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans liker. Alors s'il vous plaît, likez, écrivez dans le commentaire quel maillot était votre préféré maillot. On passe au prochain maillot, celui de Mavericks Dallas, le légendaire numéro 77. Mavericks Dallas, le Doncic, Luka Doncic, le Slovénien. C'est un beau maillot, je l'aime beaucoup. On aura lui. Je l'ai acheté 100 euros, je crois. Mais il est beau. Allez, on passe au prochain maillot. Et c'est un maillot légendaire, les gars. Il m'a coûté 600 euros. 650 euros, je crois. Mais. Oh, il a fait d'office. Ah, c'est rien. Désolé, les gars, pour ce petit. C'est le maillot. Le légendaire maillot 23-2. De Michael Jordan, les gars. Michael Jordan, le légendaire numéro 23. Regardez le jumper follows. Et c'est pas, vous voyez ici le marque le logo NBA.
Mais c'est un très beau maillot, il m'a coûté 650 euros, je crois. On passe au prochain maillot. Et c'est un maillot un petit peu particulier, je vous montre. C'est le maillot All-Star Game 1990, 1980, je crois. 1997, comme... j'ai oublié. Mais il est un très très beau maillot. C'est le numéro 23, c'est le numéro Michael Jordan. Je l'aime beaucoup, c'est pas gravé, mais il est beau. J'aime le style. Je l'aime beaucoup, allez. On passe au prochain et c'est le cadeau de la journée. Regardez ça, mes manches pour les mains. Mes manches pour les mains de basket. C'est des manches qui m'ont coûté 200 euros. C'est Mikasa, mon sponsor. Et j'ai blanc et noir parce que si vous me suiviez sur Instagram, je suis malade de mes mains. Je peux pas shooter, je peux pas faire une passe, je peux pas dribbler sans ça parce que je suis malade de... C'est pas grave. Mais je porte ceci pour me t'aider à me détendre. C'est une bonne marque, Mikasa, mon sponsor. Allez. Ils sont beaux. La noire, je l'ai acheté. J'ai acheté 100 euros. Et la blanche, j'ai acheté 200 euros, je crois. J'ai acheté ce matin celle-là. La noire, j'ai acheté ce matin. Et la blanche, j'ai acheté au moins un an, je sais pas quoi. Allez, les gars, c'était la dernière chose à vous présenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre des j'aime. Écrivez dans le commentaire quelle chose était votre préférée, les baskets, les maillots, les manches. Abonnez-vous, likez s'il vous plaît, suivez-moi sur mon compte Instagram, WSMC3. Allez, ciao les gars, je vous aime. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Ciao!